Alors, restez bien jusqu'à la fin, je vous mets un petit bonus à la fin de la recette. Allez, à tout de suite. Bonsoir. Allez, on va vite se rentrer pour aller faire cette frangipane. Allez, c'est parti. On a un beau coucher de soleil. Je vous le montre et je vous le montrerai un peu mieux après. Voilà. Allez, on y va. Roxy, ah, tu tires. Ah, là, 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 là. Oui, voilà, c'est ça. Fais vite ton petit pipi. Allez, on y va. À tout à l'heure. Bon, ben voilà, de retour, comme je vous ai dit, allez, je vous montre la préparation de la frangipane. C'est parti, suivez-moi, on y va. Alors pour ce faire, il va vous falloir 150 g de beurre, 3 œufs, 150 g de sucre roux et 150 g de poudre d'amande. Allez, on va commencer par mélanger le sucre au beurre. C'est parti. Voilà, le beurre commence à se ramollir. Maintenant, on va venir y incorporer un peu de sucre pour blanchir le tout. Voilà. Et on continue à battre jusqu'à ce que ça blanchisse complètement. Bon, on se revoit tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, j'ai pris la fourchette, le fouet. Je vous conseille pas, allez-y à la fourchette, c'est ce qui ira le mieux. Je mets tout le sucre et je continue jusqu'à ce que ça se mélange bien. Ça commence à aller beaucoup mieux maintenant. Voilà. Et on se reverra après pour les amandes en poudre et les œufs. Voilà, maintenant on va passer à la poudre d'amande. Alors si vous n'avez pas de robot, je vous conseille, hein, il faut prendre de l'huile de coude. Voilà, allez. Alors avec la poudre d'amande, c'est comme avec le sucre qu'on met en plusieurs fois. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de la poudre d'amande, c'est-à-dire les 150 grammes. Voilà, le calvaire des amandes en poudre. C'est fini. Bon, allez, maintenant on va passer aux œufs. On va y aller tout doucement. On mélange. Alors, on y va. On va essayer de faire tomber que un ou deux œufs. Voilà, un œuf. C'est parti. Ah, c'est quand même plus facile cette partie. Voilà, le deuxième œuf a été mélangé. Voilà. On va passer au dernier. La consistance commence à être jolie. Hein. Je vais vous montrer ça dans 30 secondes. Attendez. Voilà. Je rapproche un petit peu mieux. Voilà. Allez. Voilà. Dans 5 minutes, la frangipane sera terminée. Alors voilà. Je viens de beurrer le plat. J'ai mis ma pâte feuilletée. Et maintenant, je vais venir mettre l'appareil à frangipane dedans. Allez, on met le tout. Et après, on met la deuxième pâte feuilletée, pur beurre, par-dessus. Alors voilà, étalé à la main avec le dos de la cuillère. Maintenant, je vais venir mettre la deuxième pâte par-dessus. Après, venir faire les rayures et enfourner au four. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai pincé tout autour. J'ai enlevé le surplus autour. Et les petites bandelettes, je vais venir les mettre là pour décorer cette tarte à la frangipane. Merci, je n'aurais plus le nom. Alors oui, galette des rois, mais comme il n'y a pas de fèves, ce n'est pas une galette des rois. Allez, c'est parti pour le four. Alors, 220 degrés pendant une demi-heure. C'est parti. À chaleur tournante, si possible. Voilà, alors je vous ai dit 30, alors entre 30 et 35 minutes suivant les fours. Allez, voilà. Et voilà, terminé. Allez, sur ce, bon appétit.
Voilà le coucher de soleil. Là tout là. Avinoy là. Vite motivé. Là c'est ça là oui. Là.